Monsieur Mehdi Bendimrad, bonjour. Bonjour. Alors l'Algérie est en mesure de concrétiser son indépendance économique à l'horizon 2030. Seule garante, cette indépendance de la souveraineté nationale, c'est ce qu'a affirmé hier à l'occasion des festivités du 1er mai, la journée internationale du travail. Et monsieur Ali Haddad, comment atteindre cet objectif et surtout, est-ce qu'on peut l'atteindre quand on sait que notre industrie est dépendante à 70% des importations? Monsieur Bendimrad. Tout d'abord, je voudrais saluer, après le 1er mai, l'ensemble des travailleurs et des travailleuses algériens qui participent aux forces vives de notre nation et qui participent à l'émancipation de notre nation. Donc je voudrais les saluer très fortement et vivement parce que c'est grâce à l'effort, c'est grâce au travail que notre pays pourra réussir, que notre pays pourra s'insérer dans cette mondialisation, que notre pays pourra pérenniser ses acquis sociaux et pérenniser son évolution suite à, bien sûr, à notre indépendance en 1962. Maintenant, pour répondre à votre question, qui est bien sûr une question cruciale de la transformation économique de notre pays, de la transformation de l'Algérie, de l'évolution, c'est un pari qui est, à mon avis, tout à fait jouable. D'ailleurs, le président Haddad l'a bien affirmé hier, parce que l'Algérie est en transformation. L'Algérie est en mutation économique. Nous souhaitons modifier notre façon, notre gouvernance économique, notre façon d'entrevoir l'économie qui était tirée par les richesses pétrolières et par la fiscalité pétrolière vers une fiscalité des entreprises, donc renforcer l'ensemble des entreprises algériennes et en particulier des entreprises privées parce que c'est elles qui sont le poumon de notre économie, la vitalité de notre économie, les forces de notre économie. C'est elles qui, ce secteur privé, c'est lui qui donne 2/3 de la valeur ajoutée hors hydrocarbures, qui est aussi plus de 80% de l'ensemble des emplois dans l'économie. Donc ce système va aller à s'évoluer, à s'émanciper, et tout ça c'est grâce à l'ensemble des réformes, l'ensemble du nouveau modèle économique que l'on souhaite mettre en œuvre en Algérie. Mais justement, monsieur Bendimrad, par rapport à ce que vous déclarez, comment passer de la parole aux actes pour une mise en œuvre effective des réformes visant à améliorer le climat des affaires, parce que nous restons encore au bas du tableau si on se réfère à la Banque mondiale pour le climat des affaires. Oui, mais il ne faut pas prendre que le climat des affaires, il ne faut pas prendre que le doing business de la Banque mondiale, parce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes. Il y a par exemple l'IDH, l'indice de développement humain, qui a fait un progrès de plus de 20 points en quelques années. Donc là, c'est participe, si vous voulez, à l'effort structurant, à l'ensemble des projets structurants qui permettent à l'évolution de notre économie. C'est pour ça que on doit être quand même sincère par rapport à ça. Il faut quand même pas mettre dans la balance seulement le doing business, qui est bien sûr, mérite d'avoir un progrès certain et fort. Nous ne sommes pas contents du classement que nous avons de la Banque mondiale. Mais d'un autre côté, nous pouvons dire aussi que l'Algérie a des potentialités énormes parce qu'il y a eu de gros efforts qui ont été faits ces 20 dernières années dans les efforts structurants. Je parle de prochains projets qui vont avoir lieu, notamment le port de Hamdania, par exemple, la réalisation de la transsaharienne qui va permettre un développement et un essor des territoires, les 120 000 qui de fibres optiques. Donc tout ça participe à l'effort d'évolution de notre économie. Donc il ne faut pas prendre juste le doing business qui, encore une fois, je le dis, mérite d'être amélioré fort. C'est même nous un des credos importants au sein du Forum des chefs d'entreprise que nous disons que nous devons faciliter l'acte d'entreprendre. Mais comment le faciliter aujourd'hui, sortir de la dépendance des hydrocarbures? Est-ce qu'on en a les capacités aujourd'hui pour atteindre l'objectif qui a été assigné à l'économie algérienne, c'est-à-dire être totalement indépendant à horizon 2030, puisque beaucoup considèrent que notre production n'est pas suffisamment compétitive, monsieur Bendimrad? Nous avons tout à fait les potentialités, les possibilités d'évoluer vers cette indépendance énergétique, et c'est ce que nous voulons faire. Alors il y a par exemple des choses sur lesquelles il faut quand même qu'on pense très fortement, c'est la transformation énergétique. Comment arriver à ce que nous soyons suffisamment indépendants de notre énergie, par exemple en réduisant notre consommation énergétique?
énergétique. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. On peut arriver à l'horizon 2030, au lieu d'avoir une progression de 6% par an de consommation énergétique, nous pourrions la réduire à 3% par des efforts qui sont faits, par exemple, dans le bâtiment. Ça permet, ou dans l'utilisation des véhicules propres, ou dans tout ce qui permet de conserver notre énergie. Et pour l'acte d'entreprendre, M. Bendit. Pour l'acte d'entreprendre, il y a des solutions quand même qui sont assez faciles à mettre en œuvre et qui commencent à être mises en œuvre, mais pas assez vite à notre bout. Des verrous encore très forts. Je pense à l'accès quand même malgré tout au financement. C'est pour ça que nous avons pensé à des financements alternatifs. Nous avons parlé de finance islamique parce que nous savons que cela permettra à certains individus de rentrer d'abord dans le carcan de l'économie formelle, premièrement, et deuxièmement, de répondre plus à leurs attentes. Donc ça, c'est quelque chose qui a été proposé par le Forum des chefs d'entreprise, la finance alternative. Il y a aussi les fonds de financiers qui permettront aussi à certaines entreprises de se faire financer non pas par les banques directement, mais qui ont des fonds qui sont adaptés à leur économie ou à leur secteur. Mais une feuille de route est tracée aujourd'hui puisqu'on parle à horizon 2030. Bien sûr qu'une feuille de route est tracée. C'est une feuille de route qui a commencé à être tracée d'ailleurs par le gouvernement et par le Forum des chefs d'entreprise avec le plaidoyer pour l'émergence de l'économie algérienne. C'est finalement un certain nombre d'axes et d'actions qui ont été mises en œuvre et qui sont en train d'être mises en œuvre qui vont permettre à notre économie d'évoluer vers ce nouveau modèle économique sur cette économie qui est tirée par un budget non pas de la fiscalité pétrolière, mais de la fiscalité des entreprises. C'est cette orientation que nous souhaitons pour notre pays. Donc tout ça, c'est un ensemble de mesures qui sont petit à petit mises en œuvre, un non-goût pas assez rapidement, bien sûr, mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que nous sommes dans la bonne voie. Nous allons à l'horizon 2030, faire de l'Algérie le portail, la porte d'entrée de notre relation économique avec l'Europe, par exemple. Parce que avec l'Europe, nous avons des potentialités énormes, c'est avec l'Europe avec qui nous commerçons le plus. Donc nous voulons faire de l'Algérie la porte d'entrée de l'Afrique. Et ça, nous en avons les moyens parce que beaucoup de choses ont été mises en place auparavant, parce que beaucoup de choses sont en train d'être mises en place. Je vous ai parlé de tous ces projets structurants parce que ça permet la mise en place d'un cadre où on donne un peu plus de visibilité, on donne un peu plus de force et pour que les entreprises et le monde avec qui nous commerçons le plus puissent voir l'Algérie comme une terre sur laquelle ils peuvent travailler. Puisque vous parlez de l'Europe, puisque aussi à la fois vous êtes le responsable de l'international au niveau du FCE, c'est cette volonté d'indépendance qui suscite aujourd'hui les critiques de l'Union européenne à l'égard des mesures restrictives à l'importation prises par l'Algérie aujourd'hui pour d'abord et avant tout des mesures de sauvegarde pour rééquilibrer la balance commerciale et la balance des paiements, Monsieur Bendimred. Oui, ben, si vous voulez, situation particulière, décision particulière. Donc là, nous avons décidé pour quelques années de restreindre nos importations. Nous employons des mesures de sauvegarde et ce sont des mesures que d'autres pays utilisent de temps en temps, notamment des pays qui sont membres de l'OMC, des pays qui sont les plus ouverts économiquement. Je pense par exemple aux États-Unis qui l'utilisent par exemple dans l'acier et l'aluminium. Donc, vous voyez, légitimes ? C'est des mesures légitimes, oui, c'est des mesures légitimes, à situation particulière, décision particulière et il faut bien en tout cas bien rassurer notre partenaire économique et nos partenaires économiques que cette situation est temporaire. Donc c'est quelque chose qu'on va avoir le temps de rééquilibrer, si vous voulez, notre situation macroéconomique. Cela va nous permettre d'ici un ou deux ans d'être un peu plus à l'aise économiquement et de ne pas se retrouver finalement quand même comme nous étions dans les années 90 où nous avons été obligés d'appliquer un plan d'ajustement structurel. Là, nous avons quand même notre totale indépendance économique et c'est quelque chose d'important pour un pays. Mais comment vous considérez aujourd'hui ces critiques excessives ou légitimes, M. Bendimred ? Non, mais les Européens...
copains peuvent faire les critiques qu'ils veulent, c'est normal, ils défendent aussi leurs entreprises et c'est de bonne guerre, si je puis dire. Nous aussi, nous défendons nos entreprises, nous défendons notre économie, nous défendons ce qui nous pensons être le mieux pour l'Algérie, parce que, je vous dis, dans cette situation, nous devions rétablir les équilibres macroéconomiques. C'est très important. C'est très important de rééquilibrer notre situation macroéconomique, parce que aussi, ça peut découler sur plus de chômage, ça peut découler sur des situations sociales et sur des situations d'instabilité. Et vous savez bien que l'Algérie a payé un lourd tribut pour ça et nous ne voulons pas revenir dans cette situation. Donc je pense qu'à situation particulière, décision particulière, et ce n'est pas infondé que nous soyons protectionnistes à un certain moment, mais vous voyez bien que les échanges et que les investissements sont les bienvenus et que toute entreprise étrangère qui voudrait participer dans notre économie, participer même à évoluer en Afrique, eh ben, elles sont les bienvenues en Algérie. Nous sommes là pour les rassurer, nous sommes là pour leur donner tous les avantages et tout ce qui nous permet de que leur investissement soit couronné de succès. Et c'est là où nous pouvons intervenir en tant que forum des chefs d'entreprise, parce que nous avons un certain nombre de membres d'une certaine qualité, d'une certaine force qui vont permettre petit à petit de trouver source de partenariat. Mais est-ce que ce qui est valable pour les uns n'est pas valable pour les autres, puisque nous avons vu à travers le monde actuellement et les exemples qui sont très nombreux, les États-Unis, l'État capitaliste pur et dur, applique le protectionnisme économique. Oui, c'est bien ce que je vous dis. Il l'a bien dit, le président Trump. Oui, c'est bien ce que je vous dis. C'est bien que nous avons une situation particulière actuellement, nous devons rétablir des équilibres. Et donc, c'est une question de souveraineté. C'est une question de souveraineté et c'est normal parce que nous avons besoin, encore une fois, je vous dis, de se retrouver dans une situation qui permet de rétablir les équilibres macroéconomiques. Ces équilibres macroéconomiques, quand les chiffres macroéconomiques ne sont plus équilibrés, ben c'est une source d'instabilité, c'est quelque chose que nous redoutons. Alors, dans une de vos interventions récentes, la dernière, à l'arrivée du Premier ministre espagnol, vous avez déclaré que les Européens devraient avoir une autre perception de l'Algérie, non pas la percevoir comme étant un marché, mais un pays d'investissement potentiel. Vous avez pris en référence les chiffres. Si on se réfère aux chiffres qui sont communiqués aujourd'hui par la direction des douanes, vous avez 200 millions d'euros d'investissement annuellement en Algérie, toute l'Union Européenne. Tout le pays. Face à ça, vous avez l'équivalent en 10 ans, il y a eu 20 milliards de dollars d'importation. C'est déséquilibré ? Il n'y a pas d'équilibre ? Non, enfin, avec certains pays, c'est plus ou moins équilibré. Avec nos partenaires européens, c'est plus ou moins équilibré. Bon, si on voit sur notre balance commerciale. Mais vous avez 20 milliards de dollars d'importation. Oui, tout à fait. Mais ce sont des importations des exportations de produits vers l'Algérie, voilà. Tout à fait. Vous avez en 10 ans 2 milliards de dollars d'investissement. Oui, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, c'est bien ce qu'on dit. C'est pour ça que nous devons faire de notre pays une terre attractive. Nous devons faire de notre pays un pays qui permet à ce que l'entreprise étrangère, notamment, vous dites espagnole, mais européenne en règle générale, puisse trouver source de revenus et source de maturité dans leur marché. Donc, pour nous, il est important de capitaliser l'ensemble de ces entreprises, de les faire en sorte qu'elles viennent investir, ne pas trouver l'Algérie comme étant seulement un marché. Il faut qu'ils retrouvent en Algérie un partenaire économique avec qui on peut faire des bonnes affaires. Et c'est ce que nous voulons, parce que nous voulons aussi rehausser notre niveau général. Nous voulons rehausser le transfert de savoir-faire. Nous voulons faire à ce que l'Algérie soit mieux dotée, qu'elle puisse permettre d'évoluer et de s'insérer petit à petit dans cette économie mondiale grâce aussi à ces entreprises étrangères qui viendraient s'installer ici. Alors, monsieur Mehdi Bendibrand, par rapport au climat des affaires aujourd'hui, comment rendre l'investissement en Algérie beaucoup plus attractif par rapport aux nationaux et par rapport aux étrangers, puisqu'on peut être destination d'investissement IDE étranger? Ah, bien sûr, nous sommes. Vous voulez qu'ils aillent ailleurs, ils viendraient chez nous. Bien sûr. Mais bon, je vous ai dit tout à l'heure que l'ensemble des projets d'ailleurs structurants qui ont été initiés par le gouvernement sont très importants pour rendre la terre algérienne une terre, si vous voulez, où on peut faire des bonnes affaires. Et c'est sincèrement quelque chose que les Européens et notamment nos partenaires voient de plus en plus, surtout quand ils viennent ici, parce qu'ils voient le fossé qu'ils ont et la perception qu'ils ont de l'Algérie quand ils le voient de loin. Et
l'Algérie quand ils sont ici. Il y a quand même une différence et un gap énorme qui est entre la réalité sur le terrain et ce qu'on a comme perception. Et pour ça, eh ben, il faut rendre, je vous ai dit, le climat des affaires plus attractif aussi. C'est, il faut faciliter dans l'acte d'investir, il faut faciliter dans l'acte de financement, il faut faciliter dans l'acte d'obtention des terrains industriels. Il faut en somme faciliter à ce que l'acte d'investir, à ce que l'ensemble des besoins d'un investisseur soit fluidifié, soit qui permette qu'il y ait une totale fluidité dans l'acte économique. Mais cette volonté existe ou alors ce sont juste des promesses? C'est une volonté qui existe, mais c'est une volonté qui existe en tout cas au plus haut de l'échelle de notre pays. Mais vous savez, il y a des archaïsmes, il y a une certaine inertie qui s'est créée au fil du temps et qu'il est difficile de casser. Et quand on comprendra qu'il faut que cet investisseur, que ces gens-là qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, qui créent de la richesse pour le pays, soient facilités, ben je vais vous dire une chose, il y aura beaucoup plus d'engouement à ce que l'acte d'investir, à ce que l'administration suive par rapport aux investisseurs. Et ça participe aussi à ce que l'ensemble de notre administration puisse être à l'écoute des investisseurs, à l'écoute des citoyens. Et ça part aussi d'un principe d'une amélioration. Mais s'il y a autant de verrous, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de lobbies qui tirent l'économie vers le bas? Par exemple, on s'est conforté dans l'importation par rapport à la production. Est-ce que c'est possible? Oui, on a dû probablement à un moment se dire que c'était plus facile d'importer que de produire. Or, nous croyons fortement qu'il est plus facile et il est plus périn de produire que d'importer. C'est pour ça que nous mettons tout l'accent sur la facilitation pour les entreprises, pour qu'elles aient cette force, qu'elles puissent être appuyées par l'ensemble finalement des lois et des règles de notre pays. Et ça participe finalement de tout le lobbying que fait le Forum des chefs d'entreprise, le FCE, à ce qu'on facilite l'acte d'investir, à ce qu'on facilite le traitement des dossiers des investisseurs, à ce que tout ce système soit fluide et rapide. Mais comment justement faire du lobbying auprès de ces États quand nous voyons que, par exemple, la présence européenne reste quand même sur le plan des investissements minime si on compare à la présence turque ou chinoise et d'autres pays, Monsieur Bendimret? On a donné le chiffre. Oui, alors, c'est 2 milliards de dollars sur 10 ans, en contrepartie 20 milliards de dollars d'importation, c'est-à-dire d'exportation européenne vers l'Algérie. Mmh. Et vous avez les Turcs qui sont fortement présents et les Chinois qui, eux, à seuls, capitalisent pratiquement ce montant. Oui, c'est pour ça que nous faisons beaucoup d'efforts envers nos partenaires. Il faut aller vers tous les pays? Non, il faut aller vers le pays avec lesquels on a le plus de potentialité, avec lesquels nous avons un transfert de savoir-faire possible, avec le transfert de technologie, à ce que nous permette de rehausser l'ensemble de notre système qui permette à ce que ces entreprises, eh bien, elles s'inscrivent aussi dans cette mondialisation. On va vers les Européens, on abandonne les autres? Non, on n'abandonne personne, on travaille avec ceux avec qui veulent travailler avec nous. Les Européens veulent travailler avec nous, ils en ont cette volonté, et les autres aussi. Elle n'est pas suffisamment affichée comme on la voit bien sûr par les chiffres que vous avez donnés. Mais nous sommes en train de changer justement cette perception qu'ils ont de notre pays. Il faut qu'ils voient l'Algérie non pas comme un marché mais comme un partenaire. Et c'est pour ça que nous allons dans différents pays. J'étais il y a 2 semaines à Berlin, il y a 3 semaines à Stockholm, dans différentes missions économiques. Le président du Forum des chefs d'entreprise, Monsieur Haddad, a emmené plusieurs fois aux États-Unis un certain nombre d'investisseurs et un certain nombre de membres du Forum des chefs d'entreprise, parce que on doit montrer quel est maintenant le nouveau visage des entrepreneurs algériens. Quels sont ces entrepreneurs algériens? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Comment on peut travailler avec ces entreprises étrangères? Et je vais vous dire une chose, il y a beaucoup d'engouement, parce que quand on va dans ces différents pays, quand ils voient les possibilités qu'il y a dans notre pays et l'évolution qu'elles pourront avoir, et bien je vais vous dire une chose, elles sont rassurées. Parce qu'il y a aussi une autre chose dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, c'est de notre ouverture vers l'Afrique. C'est que l'Algérie, nous voulons faire de l'Algérie leur
terre d'accueil, leur base d'accueil pour ces entreprises, pour ces partenariats qui peuvent se faire avec ces entreprises algériennes. Et d'un autre côté, avoir accès à 40 millions d'habitants, 41 millions presque, et aussi avoir accès à l'ensemble de ces pays africains avec lesquels nous pouvons travailler et sur lesquels nous fondons une stratégie économique réelle. Mais la règle des 51-49 et le transfert des dividendes ne sont pas des vecteurs de blocage, M. Benzimret, qu'il va falloir aujourd'hui lever ? Sur le transfert des dividendes, il n'y a aucun problème. Ça, il faut être clair. Maintenant, sur la règle des 51-49, c'est une règle qui est souveraine de l'État algérien. Elle a été, édifiée à un moment où on voyait que beaucoup d'entreprises, justement, venaient en Algérie, faisaient des très belles affaires et puis qu'elles ne laissaient rien à l'Algérie. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune valeur ajoutée pour l'Algérie. Nous, ce que nous voulons capitaliser cette valeur ajoutée. C'est pour ça que nous voulons qu'il y ait une participation du capital algérien dans ces entreprises qui viendraient faire des affaires en Algérie. Aller vers son assouplissement, l'appliquer que sur les secteurs aujourd'hui stratégiques, considérés comme stratégiques, les hydrocarbures, les transports et autres questions. On peut trouver différents moyens, et je vais vous dire une chose, il y a différents moyens. Les hôtels, ils ne vont pas les prendre avec eux en partant. Bien sûr, c'est clair. Et il y a différents moyens, à mon avis, de faire en sorte que le 51-49 soit attractif. Nous l'avons expliqué plusieurs fois au sein du FCE, et je pourrais vous l'expliquer aujourd'hui, mais je ne sais pas si on a le temps de l'expliquer ce matin. Mais je pense que c'est pas un frein réel. Le frein le plus important, et je vais vous dire une chose, quand je dis c'est pas un frein, l'ensemble en tout cas des projets inscrits pour 2017 au sein de l'ANDI sont de 271 milliards de dinars, ce qui correspond à peu près à 2,5 milliards de dollars. Donc vous voyez que l'Algérie n'est pas quand même en reste par rapport à un certain nombre d'IDE. Alors, des questions des auditeurs, Monsieur Bendimad, moi je voudrais revenir avec vous sur cette question qui vous dit, l'auditeur, est-ce qu'on est pratiquement dans le même schéma que celui des années 90 avec la politique d'ajustement structurel, si on ne fait rien aujourd'hui, est-ce qu'on est réellement menacé, Monsieur Bendimad? Je souhaite que vous disiez la vérité aux Algériens. Ah, bien sûr qu'on est menacé. Si on fait rien, on pourrait se retrouver avec une balance des paiements qui est déjà déficitaire, mais on pourrait se retrouver avec des réserves de change qui nous permettraient même plus d'assurer notre pérénité alimentaire. Donc, Les réserves sont à 97 milliards de dollars. Bon, c'est pour ça qu'il a fallu prendre des mesures très fortes. Nous allons rééquilibrer au cours des prochaines années. Bon, il y a bien sûr une augmentation du prix du baril qui va permettre aux finances publiques d'être en meilleur état. Mais relativement, parce que déjà pour l'année 2017, on a clôturé l'année avec 33 milliards de dollars d'exportation des hydrocarbures. C'est à peu près 35 milliards de dollars, oui. Et nous avons eu 47 milliards de dollars d'importation. Oui, c'est ça. Donc on a un déséquilibre de la balance commerciale. Nous voulons rééquilibrer la balance des paiements. Et la balance des paiements, ben, elle se rééquilibre aussi par l'intermédiaire des IDE. Donc si on fait plus d'IDE, on peut rééquilibrer cette balance des paiements. On pourra faire de l'Algérie pérenniser les chiffres et notre situation macroéconomique. Comment nos patrons devraient se comporter comme de véritables patrons aujourd'hui en Algérie, déclarer leurs travailleurs et ne pas aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'esclavagisme des temps modernes, c'est-à-dire on le fait travailler plus pour avoir le moins possible. À déclarer leurs droits. Mais déclarer les travailleurs, c'est normal. Je veux dire, c'est le béaba et c'est un principe. Même si vous créez une entreprise et que vous ne déclarez pas vos travailleurs, je veux dire. Un supplémentaire doit être payé. Bien sûr, tout à fait. Non, mais tout à fait. On appelle ça de l'esclavagisme des temps modernes. Non, mais nous sommes contre ça et nous sommes contre. Nous sommes bien d'accord sur le fait que tout travail mérite salaire. Donc, je veux dire, si vous travaillez en plus, vous méritez plus. Donc, et je vais vous dire une chose. Pour nous, il n'y a que le travail qui permet de s'en sortir. Les États-Unis ne sont pas arrivés premier par chance, ils sont arrivés par le travail. Ils sont arrivés parce que ils ont cette éthique dans le travail, parce que réhabiliter la valeur travail. Bien sûr, réhabiliter la valeur travail, c'est extrêmement important. À l'occasion justement de l'indépendance de l'Algérie, le 55e anniversaire. Réhabiliter. Tout à fait. Alors, réhabiliter la valeur travail, c'est très important. Je pense qu'on travaille beaucoup, mais on n'est pas très productif à certains endroits. Donc, il faut travailler peut-être mieux. Et peut-être dans l'agriculture, par rapport à la pénibilité, le bâtiment. Bien sûr, dans le bâtiment, on travaille peut-être beaucoup, et finalement, on n'a pas la productivité suffisante, donc peut-être mécaniser plus dans l'agriculture. Être plus productif, ça, pour être plus productif, il faut avoir des techniques, il faut avoir un savoir-faire. Ce savoir-faire, c'est pour ça que je vous dis que c'est important qu'on ait ces relations avec les pays qui sont porteurs du savoir-faire, les pays européens, les États-Unis, et c'est pour ça qu'on souhaite nouer ces partenariats.
parce qu'on veut transférer tout ce savoir-faire, ce technique, ce know-how qui est important justement pour faire des avancées en termes de productivité. Ingénier la main-d'œuvre, par exemple dans l'agriculture, on parle du vieillissement de la main-d'œuvre aujourd'hui. Oui, tout à fait, par parce que peut-être parce qu'il n'y a pas suffisamment d'avenir, ou certains ne voient pas suffisamment d'avenir dans l'agriculture. Or, il faut réhabiliter justement le travail que font ces agriculteurs, et je tiens vraiment à les saluer aussi, parce que c'est grâce à eux qu'on peut permettre d'assurer notre sécurité alimentaire. Alors justement, par rapport à l'agriculture, puisqu'on en parle, et on parle de la sécurité alimentaire aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup parlé la semaine dernière, à l'occasion des assises sur l'agriculture, ils vous disent, quel est votre commentaire justement par rapport au détournement des terres agricoles pour l'industrie, la vidéo qui a fortement circulé sur le net aujourd'hui, qui a suscité même l'intervention des pouvoirs publics et la saisine du procureur de la République. Oui, bien sûr. Écoutez, bien sûr, ça c'est bon. On a des cas comme ça, il faut les résoudre par vous les... Vous êtes contre au niveau du FCE ? Ben, on est contre, de toute façon, le détournement des terres agricoles à des fins industrielles. Ça c'est clair que l'agriculture, ce qui est dédié à l'agriculture doit servir à l'agriculture, ce qui est dédié à l'industrie doit servir à l'industrie. Donc nous, on fera, en tout cas, nous demandons bien sûr beaucoup plus de terrains industriels. Et bon, pas au détriment des terrains agricoles. Bien sûr que non, pas au détriment des terrains agricoles. On va pas manger des véhicules, comme l'a dit le vieux, l'agriculteur dans sa vidéo. Non, c'est clair. Mais je pense que là aussi, au niveau de agricole, il y a un effort quand même important, parce que maintenant, l'État a compris que ce sont des grandes parcelles qui permettent de faire des économies d'échelle. Et donc, grâce à ces grandes parcelles, maintenant, on arrive à 30 000, 40 000, 50 000 hectares. Et là, vous pouvez faire une agriculture extensive, vous pouvez faire une agriculture moderne, et vous permettrez aussi à l'Algérie d'assurer sa sécurité alimentaire et aussi de pouvoir exporter plus. Impliquer la diaspora algérienne installée à l'étranger, puisque nous avons vu que par rapport au nombre, au niveau de transfert, nous sommes en deçà. Pourtant, nous avons beaucoup d'Algériens installés à l'étranger. Par exemple, l'exemple de la France, nous avons pratiquement 4,5 à 5 millions d'Algériens. Il n'y a que à peu près 2 milliards de dollars qui ont été transférés. C'est suffisant. Une petite hausse de 200 millions par rapport à l'année dernière. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. C'est un chiffre qui est fait par les Tunisiens et ils sont 11 millions. Oui, ce n'est pas suffisant, c'est bien ce que je vous dis. Nos voisins de l'Ouest sont à 7 milliards. Nous devons faire des efforts justement pour capitaliser l'ensemble des transferts de notre diaspora. Eh ben, par exemple, on doit permettre à cette diaspora de pouvoir accéder à ce qui leur permettrait de transférer plus facilement. Je pense par exemple aux succursales de banques algériennes à l'étranger. Ça va se faire avec la BEA à Paris. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Mais il faudrait peut-être le faire aussi dans d'autres pays. Il faut aussi donner à cette diaspora l'envie de revenir en Algérie, parce que cette diaspora, elle est aussi source de savoir-faire. Elle a envie de donner beaucoup. Elle a percé dans les pays où elle réside. Et bien, on voudrait qu'elle perce aussi ici. Alors, autre question que je voudrais vous poser, ça a été soulevé par un auditeur qui vous dit, il y a deux jours, moi j'ai reçu dans ce plateau un représentant de l'UGTA qui disait qu'en Algérie, nous n'avons pas un véritable patronat. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas, monsieur Bendimraed ? Il y a des organisations patronales, mais il n'y a pas de patronat. Vous voyez bien que le FCE participe très fortement à tout ce qui est à tout ce qui a trait à l'économie en Algérie. Vous voyez bien que... syndicat. Mais il va devenir syndicat. Il a changé ses statuts. Bien sûr, nous avons changé en février. Nous avons changé. Nous étions association. Nous sommes maintenant syndicat par la voix des membres. Vous avez plus de force de frappe en étant syndicat. Nous avons autant de force de frappe que nous avions dans la mesure où ce que dit le FCE est écouté, parce que nous avons des propositions qui sont crédibles. Nous n'avons pas des propositions à la porte-pièce. Ce que l'on propose, ce sont des choses qui peuvent se réaliser, et nous donnons une vision à l'Algérie, une vision moderne de l'Algérie. Nous sommes le patronat algérien. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que les patrons prennent des crédits bancaires et ne les remboursent pas. Est-ce que c'est le cas ? À ma connaissance, c'est aux banques de faire leur travail, de rembourser leurs crédits si elles doivent être remboursées. En tout cas, nous, je vais vous dire une chose, quand on a un engagement, en tout cas les membres du FCE, quand ils ont un engagement, ce sont un engagement fort, et moi, en tout cas, personnellement, si je m'engage dans quelque chose, je le ferai jusqu'au bout. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, on parle de 2030, est-ce qu'il va falloir attendre 2030 pour voir l'Algérie prospère ? Pas du tout. Est-ce qu'on sera aussi de ce monde ? Ah ben, j'espère, Inch'Allah, ce sera par la volonté. Mais je vais vous dire une chose. Nous pensons réellement que
l'Algérie évolue positivement. L'Algérie s'insère petit à petit, sans fracture sociale. C'est très important. Bien sûr, j'ai très confiance. Nous avons très confiance dans l'Algérie parce que l'Algérie a des potentialités énormes. Parce que on sait que nous allons dans la bonne direction. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours. Il y a des arbitrages à faire. Il y a des situations difficiles sur lesquelles on maîtrise pas. Le cours du pétrole, on ne maîtrise pas. C'est un cours qui est décidé à l'international. Mais nous savons que nous sommes dans la bonne direction pour faire de l'Algérie un pays prospère et un pays qui compte économiquement dans cette mondialisation. Vous y croyez? Vous êtes confiant? Très fortement. Puisque vous êtes un exemple à suivre, vous étiez aux États-Unis, vous pouviez rester, vous avez décidé de rentrer. Oui, parce que je croyais aux potentialités, croyez toujours? J'y crois toujours et encore plus, je veux dire. Il est plus facile de travailler maintenant qu'il l'était peut-être en 2000 quand je suis rentré. Il est plus facile de créer une entreprise maintenant qu'il n'était en 2000. Et je vais vous dire une chose, même si c'est pas toujours facile, si tous les jours on doit se battre, et bien partout ailleurs vous devez vous battre, et je suis confiant dans l'avenir de notre pays parce que nous sommes sur la bonne voie de l'insertion dans cette mondialisation. Monsieur Mehdi Ben Diouad, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Merci.